Le baobab. Il s'élève dans la savane, qu'il domine de sa haute taille, pour que juste à côté de lui, l'éléphant paraisse petit. Mieux qu'un colosse, c'est un géant, coiffé bien ridiculement, dont l'envergure se réduit au fur et à mesure qu'il grandit. On le nomme baobab pour les nombreuses grains de ses fruits, et il trône comme un nabab vénéré dans tout le pays. Tout comme il prend de la bouteille, l'air au cours de l'huissier à merveille. C'est vrai que son ventre imminent prend son chef presque inexistant. Il lève ses bras atrophiés, comme outrés par quelques propos, et ses trois cheveux ébouriffés le font paraître un peu gogo. Le dénomme baobab, mais ne riez pas, c'est un roi, car il trône comme un nabab, respecté par les villageois. Il est tellement singulier que les griots ont pu compter qu'il prenait ses racines au ciel pour être à la vie essentielle. De ses feuilles, fruits et racines, il nourrit plus de 10 familles, et par la voix du guérisseur, il apaise 1000 douleurs. On le dénomme baobab et il est bien hospitalier, pour que trônant comme un nabab, il abrite encore les sorciers. Avec ses vertus innombrables, il est le centre du village, pour qu'à ses pieds soient réunis, pour palabrer tout le pays. Avec à son âge singulier, il est tout si familier, que nul ne peut imaginer un décor sans fût bombé. Dénomme baobab, et jusqu'au cimetière il veille, pour que bien mieux que tout nabab, son image soit éternelle. On le dénomme baobab, et jusqu'au cimetière il veille, pour que bien mieux que tout nabab, son image soit éternelle.